l'histoire de la rencontre entre un frère franciscain qui s'appelle Jean de Clancarpin, envoyé du pape Innocent IV, et le grand khan Guuk en 1246. Guuk, un petit-fils de Gengis Khan qui, à cette date, domine un immense empire qui s'étend à toute l'Eurasie, du Danube jusqu'à la Chine. Clancarpin est fasciné par ce qu'il voit. Il est fasciné par les Mongols, par leur mode de vie nomade. Mais il est encore fasciné par autre chose. Il arrive juste à temps pour assister à l'intronisation du grand khan. Et il voit des émissaires de toute l'Eurasie. Il se rend compte de la taille de l'Asie et il découvre des émissaires de peuples qu'il connaît bien, les Russes, les Géorgiens, les Arméniens, mais aussi des émissaires du calife de Bagdad, mais aussi des émissaires musulmans d'Asie centrale, et puis des émissaires de peuples absolument inconnus, les Coréens. Et pour la première fois, les Européens, Clancarpin, se rendent compte de la taille de l'Asie, et que l'Asie est un monde beaucoup plus grand que tout ce qu'ils avaient imaginé, que le monde est encore à découvrir. Clancarpin revient en Europe et rédige le récit de son voyage. Il rédige une histoire des Mongols, dans laquelle il raconte cette rencontre avec le grand khan Guuk. Et il raconte encore autre chose, son échange diplomatique avec le grand khan. Il a amené une lettre du pape au grand khan. Le pape demandait au grand khan pourquoi il avait attaqué l'Europe en 1241. Il demande au grand khan de se justifier, d'expliquer pourquoi il a commis de tels crimes contre l'humanité, pourquoi il a exterminé des populations entières. Et il demande au grand khan de se convertir au christianisme et d'accepter de reconnaître l'autorité romaine. Le grand khan a répondu, on a encore sa lettre aux archives vaticanes, Clancarpin en parle. La lettre du grand khan dit que l'attaque était parfaitement légitime et que c'est au pape de venir se soumettre devant le grand khan au cœur de la steppe. Et il annonce les malheurs à venir sur l'Europe et sur le pape si l'Europe ne se soumettait pas. Une dernière information est donnée par Clancarpin. Il raconte qu'au sommet du pouvoir mongol, les princes mongols sont en train de se déchirer. Et en effet, quelques années plus tard, l'empire mongol éclatera et c'est ce qui sauvera l'Europe.